Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on était supposé aller au IKEA. Puis on a comme décidé, par le plus grand des hasards, de regarder avant de se déplacer sur le On a site décidé d'être internet. intelligent pour une Ouais, fois. c'est ça, on a décidé d'être bright. Puis de regarder ce site internet si ce qu'on voulait était disponible et c'était pas disponible. Fait qu'une chance qu'on l'a fait parce qu'on se serait littéralement déplacé pour rien. Les genre deux trucs qu'on voulait sont pas en stock en ce moment. Sont en stock à Boucherville, mais ça ne tentait pas d'aller à Ouais, mais il Boucherville, manque là. un autre truc quand même, puis Ouais. qui est pas là, fait que c'est juste... C'est Né. ça. Fait que finalement, aujourd'hui, on va rester à la maison. Puis aujourd'hui, il y a Kevin qui va venir parce que pauvre Jay, il est brisé. Jay est vraiment brisé. Il t'es rendu vieux. Ben, c'est plus... Je travaille toujours devant l'ordi, dans des mauvaises positions, On a aidé et... Marc-André puis sa famille à Et ça m'a encore déménager. plus Ouais. Il y brisé. avait, c'est quand même une famille de 6 personnes, fait qu'il y avait quand même pas mal de stock. Fait qu'on les a aidés il y a quelques jours de ça. Pour vrai, j'ai encore mal partout à force de soulever des boîtes. Toi aussi. Lui, en tout cas, son dos, il est tout pété. Oh, excuse. Il est Ow. vraiment rendu un vieux Jay. Ben, c'est comme Jay si je me mets Sylvain. debout, normal, je suis Ouais, croche. regarde, attends, on va le montrer. Oh. Ah, mais ça paraît pas vraiment à la caméra, mais c'est comme, on voit son épaule ici est plus affaissée que de ce côté-là. Fait qu'en tout cas, Tant que je Kevin, croche. un peu. Mais Kevin, il va venir pour le réparer tantôt parce que Kevin, c'est quoi exactement son titre? Il est Ostéopathe. ostéopathe. Fait qu'il va venir avec sa Ça, c'est table à la l'avantage. maison. Kevin a un problème d'ordinateur. Oh, Dieu, mon téléphone est brisé et tout. Voilà un autre téléphone. Pas de problème. Puis il part d'ici avec un nouveau téléphone. Ou un ordi. Ou un ordi. Ah, oh, Jay, j'ai besoin de telle chose. Pas de problème, je vais t'aider. De l'autre côté, Kev, mon dos est brisé. Il vient avec sa table. La seule chose, c'est que je dois m'assurer qu'il y a de la bouffe dans son ventre. C'est ça. Fait qu'on lui a dit, choisis où tu veux aller manger ce soir. C'est au choix de Kev. Exactement. Fait que c'est ça. Mais ouais, c'est moins pire aujourd'hui qu'hier. Hier, ça s'en allait mieux. Et là, le matin, en m'essuyant, en sortant de la douche, j'ai juste fait un mouvement et ça l'a crunché. C'était assez horrible. C'est Et ça. je suis tanné de prendre de l'ibuprofène à chaque fois avant de dormir. T'es rendu un vieux à 27 ans, là. Rendu un vieux Ça schnock. me prendrait peut-être une chaise. Tu sais, les genres de chaises que je ris qui coûtent comme 1 000 $ là, d'ordi? Ouais. On devrait peut-être vraiment avoir une chaise à 1 000 $. On est riches pour s'acheter des choses à 1000$, nous autres. On est assez riche pour se payer des chaises à 1 000 $ pour éviter que nos dos brisent. C'est Il y a une vrai. raison qu'on est moyennement riche. C'est parce qu'on fait plein de belles collaborations avec des partenaires qu'on aime. Comme Huawei! Bon, on n'est pas riche en argent, mais on est riche en tech. Et c'est ça qui me rend vraiment bien content. Fait que là, je veux juste parler un petit peu de Huawei. Parce que vous savez, on fait beaucoup de collaborations avec eux. On est transparent, on le cache pas. Et en général, c'est juste parce qu'on aime vraiment beaucoup leurs produits. Et on sait que vous aussi, vous les aimez beaucoup. On le voit toujours dans les commentaires, n'importe qui avec un P20, un P30, et juste comme « J'aime mon téléphone! » Donc, en général, c'est comme gagnant pour tout le monde. On a du tech, puis on a des bons produits. Vous les voyez, tout le monde est content. Fait que ça ici, là, vite vite, là, c'est exemple plein de produits qu'on a reçus de Huawei. Donc, tu sais, on a reçu leur montre intelligente, la chose que vous voyez que je porte tout le temps sur moi, leurs différents écouteurs, les différents P30. Au niveau des ordinateurs aussi, on vient de recevoir le nouveau MateBook X Pro qui, pour 2 300 $, est hyper équipé. Il n'y a pas d'ordinateur comme moins cher ou plus cher avec plus. Il y a un modèle, il se casse pas la tête, il est mince, il est beau, il est immersif. Je vais en parler dans une vidéo sur JADIC dédiée. Ça s'en vient techniquement cette semaine. Mais c'est ça. On a juste une belle collaboration avec elle, avec eux. Et on est vraiment excité de vous montrer le P40 Pro Plus que nous on a. Parce que c'est ça, c'est une petite collaboration qu'on a dans ce vlog avec Huawei. Et ça ici, c'est un super téléphone. OK? Je vais aller directement au but. Je sais qu'il y a plein de gens qui s'inquiètent au niveau de Huawei avec comme est-ce qu'il y a mes applications, est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, etc., etc., etc. Huawei nous ont demandé dans cette belle collaboration-là de pouvoir en parler un peu plus et de vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Fait que ça ici, c'est le P40 Pro Plus. Le P40 Pro régulier est en vente en magasin. Et les deux sont juste hyper équipés. Là, lui, il a un nombre ridicule de caméras, l'autre aussi. La seule grosse différence avec lui, c'est qu'il y a une caméra de plus et il y a aussi le derrière qui est en céramique. Vous allez voir le P40 Pro, là, c'est comme un petit derrière en argent. Et il est vraiment beau. Et ils ont vraiment fait des miracles parce que non, il n'y a pas les services Google dessus. Okay? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est si tu veux Gmail, Gmail ne marche pas dessus. Mais tu peux accéder à tes courriels Gmail dans n'importe quelle application comme Outlook ou une application courriel. Tu veux installer Google Maps? Ça va marcher. Tu veux installer Waze? Ça va marcher. Mais tu pourras pas connecter ton compte Google avec ces applications-là. Donc,
faut regarder pour des alternatifs, mais sinon, même s'il n'y a pas de Play Store, il y a tout. Fait qu'un exemple, on s'en va littéralement ensemble et je vais installer Instagram et je fais Enter. Eh bien, voilà, le Petal Search, il va me trouver Instagram, Layout, Boomerang, sont toutes là, soit dans le App Gallery de Huawei eux-mêmes ou sinon à l'intérieur. Je vais installer une application, c'est toujours mes exemples, mais c'est vraiment les applications que j'utilise le plus. Je vais installer Lightroom de Adobe, ben même s'il n'est pas dans le App Gallery tel quel. Le voilà, il est tout ici, Preset, Snapseed, toutes les applications sont là, puis avec Petal Search, ben, il va les chercher, puis il va les rapatrier, et il va vous chercher ça. Donc, tu sais, tu veux de la navigation, tu veux toutes ces applications-là, ça marche, OK? J'aime bien être transparent avec vous. Si vous êtes capable de trouver des alternatifs, c'est un téléphone fantastique, OK? Pour des personnes comme nous, nous, notre travail, c'est YouTube, parce qu'il n'y a pas d'application YouTube dessus. Tu peux installer une application YouTube d'à côté, comme, comment ça s'appelle? C'est YouTube Vans. Tu peux aller sur le site internet de YouTube, connecter ton compte, commenter, écouter. Tout ça, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais l'application YouTube elle-même, non. Donc, les gros plus de ce téléphone-là, c'est quoi? C'est que tout le reste est fantastique. La batterie est super bonne. Il y a un IR Blaster pour contrôler ta télévision. La construction est superbe. Les caméras... Je pense que vous l'avez vu sur notre Instagram. Les caméras sont quand même... On a déjà mis des photos sur nos Instagram avec des crèmes glacées. Elles sont vraiment belles. Puis c'est pour ça, en général, qu'on a pris cette collaboration-là avec Huawei parce que c'est une compagnie qui travaille fort. Ils font des super bons appareils à cause de marde géopolitique. Parce que c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'affaires d'espionnage puis tout. C'est vraiment des affaires géopolitiques. C'est poche pour le consommateur. Mais ça vaut vraiment la peine pour vous de regarder ces téléphones-là. Parce que si vous êtes capable de passer à travers ces petits détails-là, il y a un super téléphone qui est là. C'est pour ça qu'on est content de travailler avec eux parce qu'on veut le mettre de l'avant. Donc, si vous avez n'importe quelle question au sujet du P40 Pro, ne vous gênez pas, OK? Dites-le moi dans les commentaires, ça me fait plus que plaisir d'y répondre. Et sinon, en général, ben, on est toujours content de collaborer avec toutes ces belles compagnies, incluant Huawei. Les gens de Huawei Canada, comme vous avez vu, sont vraiment géniales et nous donnent plein de beaux jouets pour travailler avec. En fait, juste pour vous donner, là, pour conclure tout ça, là, vous donner une idée. Notre travail, c'est de faire du YouTube. On a besoin d'une application qui s'appelle YouTube Studio. C'est pour contrôler toutes nos chaînes et tout le kit. Et Catherine est littéralement en train de considérer de ne pas avoir cette application cruciale pour notre travail dans nos besoins très spécifiques, tellement que le téléphone est bon. Genre. Oui, vraiment. Donc, c'est ça. La batterie, t'as pas dit, la batterie est juste vraiment incroyable. Oui, mais littéralement, oui, on est meilleure batterie. Ouais. Point. Comme si vous le saviez pas, là, c'est ça. Donc, en général, c'est ça. Je sais que c'est un gros segment, mais c'est juste que vous nous posez beaucoup de questions sur nos collaborations avec Huawei, qu'est-ce qui se passe avec Huawei, puis comme vous voyez, on a une très bonne relation avec eux. Comme j'utilise leur montre avant même d'avoir reçu $1 d'eux, on est très transparent par rapport à ça, et c'est ça. Bon, alors maintenant, je vais laisser Jake... Éviter de tourner ma tête. C'est ça, je vais laisser Jake travailler sur sa petite vidéo la prochaine sur G-Addict, puis moi je vais m'attaquer à faire un petit peu de ménage, surtout à l'étage du haut. Bon, alors moi comme je disais, je m'attaque de mon côté à faire du ménage, surtout l'étage ici, fait comme le bureau, puis le couloir derrière moi, parce que dans le fond, quand j'ai vidé le garage, j'ai fait comme des boîtes de trucs qui devaient être classés dans le bureau en haut, mais on l'a jamais fait parce qu'on n'a plus le temps. Comme à chaque fois qu'on se dit, on va enfin avoir du temps de faire du ménage, ben là, comme il y a un nouveau contrat, puis il y a un nouveau projet qui arrive, ce qui est cool, ce qui est vraiment le fun. Mais c'est ça, bref, voilà. Fait que là, l'affaire qui fait que cette semaine, je vais vraiment faire du ménage, c'est que vendredi, là on est lundi, ben vous verrez pas ce vlog lundi, mais ce vlog lundi... Vous ne verrez pas ce vlog-là lundi, vous allez le voir comme, je pense, mercredi ou quelque chose comme ça. Mais c'est que vendredi, il y a mon éditeur et le vice-président de la maison d'édition qui viennent à la maison pour qu'on parle de projet de maison d'édition. Ok, t'es prête, t'es prête? Ouais. Premier mot. Né. Ok. Dis. Vision. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux, fatigué? Heure. Néditeur, et ton éditeur! Ben c'est ça, fait que ils viennent dans la maison, fait que tu sais, je veux quand même que comme il y ait pas de choses pas rapport qui traînent, fait que ça c'est comme yay, c'est comme mon petit coup de pied dans le cul pour travailler là-dessus tout au courant de la semaine. Hey! Bravo Red Bull! Bref, c'est ça. Fait que je vais m'attaquer à ça. Je sais comme pas trop par quoi commencer, parce qu'on a beaucoup de choses. Genre ça, là, ce bac-là ici, mais c'est comme, tu sais, je sais que c'est tout des trucs qui vont en haut, mais faut que je leur trouve de la place et de l'espace. Fait qu'on va faire ça.
I think we have done it all. She knows me in and out, love of a different kind, but we still have no control. Cause when the daylight comes, we're just good friends, baby, good friends, hanging on. When the day... Tu vas regarder les tisosio? Fudge, j'ai tout content parce que maintenant on laisse les fenêtres ouvertes à la place de l'air climatisé. Puis il est tout content. Ça, c'est dans nos plans cette semaine, hein, peut-être de réparer ça. Peut-être. Réparer le château à Monsieur le Fudge. Mouah! Plus beau des garçons. Tadam! Donc j'ai vidé les 4 bacs qu'il y avait dans le corridor ici. Fait que là, il me reste juste du petit truc ici et là à ramasser. Les foutus ordinateurs à Marc-André encore qui sont là. Oh, on a trouvé une pièce rare! Fait que c'est quoi? Mais non, il était littéralement accroché sur la GoPro. Comment tu penses que j'ai fait mes timelapses? Je sais pas, je pense que ça doit être une pièce rare. Ouais, fait que là, je vais aller tout... Parce que dans le fond, c'est comme des bacs que tu peux collapse. Ah, merci. Je vais aller les c'est-tu laver. C'est pas génial? Je vais aller les laver pour pouvoir descendre en bas. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tu sais, c'est pas long à faire vider ça, mais c'est chiant, puis faut trouver le temps de le faire. Tu sais, comme aujourd'hui, j'avais rien d'urgent, entre guillemets, à faire. Tu sais, là, j'ai un appel là, avec ma maison d'édition dans pas long, mais j'avais rien là, de vraiment, tu sais, critique à faire aujourd'hui. Fait que je me suis dit, bon, moi, je vais essayer d'avancer ça. Mais c'est ça le problème, c'est que généralement, à tous les jours, on est comme là, faut faire une photo, là, faut filmer une vidéo, là, on a ça, là, on a un meeting pour telle affaire. Fait que, en tout cas. Alright, next step, pliage. Pliage! C'est toi qui va le faire? Et le regret au dos. Ouais, c'est ça. Vas-tu être capable de t'élever? Kevin, il arrive juste dans comme 20 minutes. Puis il se coupe son dos après le miam miam. C'est pas vrai, Kevin, il est toujours à l'heure. Bon, ok, mais lève-toi parce que pour vrai, faut que c'est je plie. Faut que je plie mes vêtements. Aide-moi. Non. Fuck. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body oh so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, bon, fait que je viens de faire les photos pour tous les vêtements que j'ai à vendre pour, dans le fond, faire les listings sur mon site, ben mon compte plutôt, sur le site Bon Magasinage. Je sais pas par contre si ça va être en ligne par le temps que ce vlog-là va être en ligne, mais en tout cas, je vais vous laisser le lien de mon compte en barre d'informations, fait que vous pourrez aller vérifier, sinon c'est sûr que je vais l'annoncer sur Instagram quand ça va être à vendre. Mais c'est ça, écoutez, on va essayer ça, je sais comme, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, là, on dirait, j'étais comme, j'étais toujours réticente parce que j'avais peur que ça ce soit compliqué, mais là ça a l'air quand même pas trop compliqué, ça a l'air correct, fait que en tout cas, je vous laisse tout ça en barre d'informations, puis si ça vous intéresse, vous irez voir ça. Bon, mais là je pense que je vais replier ça tout de suite parce que c'est sûr que si je laisse un tas de linge comme ça sur le lit, Monsieur Fudge va aller se coucher dedans puis il va avoir plein de pelage dans vos vêtements. Mais anyway, ceux qui les achètent, je vais les relaver comme juste avant de les emballer, là, fait qu'il y aura pas de pelage de chat noir de toute façon. Je savais qu'il allait venir, c'était sûr. Non, Fudge, non. Va dormir là. Va là. Non. Fudge, non, non. Kevin est arrivé en passant, je ne parle pas tout seul. Non, Bobo, tu peux pas dormir là-dessus, non. Non, arrête, t'es trop tannant. Je vais te vendre, toi aussi, t'es trop tannant. T'es vraiment, vraiment trop tannant. Mais t'es beau, fait que je te vendrai pas finalement. Je te garde. Face crasse. Bon, on est avec Kev, tu vas venir réparer le dos à Jay. Et là, ben pas là, là on mange. Fait qu'on est au notre... Non, on reste là, sur la table. Sur la table, là. Ouais,
Fait qu'on est au Notre Bœuf de Grasse et on mange c'est bon, des burgers. Non, on sait ce que ça fait toi avec un couteau dans les restos. Je t'ai abdugé. Poignardé. Merci. La taxe pour avoir déplacé ta sauce barbecue. Okay, merci. Mais je peux t'avoir le sel aussi, s'il te plaît? La taxe pour ça aussi. S'il te plaît. C'est quoi qui vient avec? S'il te plaît, mon magnifique Kevin. Ah! Merci! T'as l'air inconfortable. Ah! C'est pour ça qu'il est là. Hey, quel service, la table, pis tout. Hey, c'est plus tu me joues dans le dos, plus que je trouve des places dans mon dos que je savais pas que j'avais mal. Ça va pas bien. Wow, j'ai inspiré avec la bouche et expiré avec le nez. Fait le contraire. Bon, je m'en fous. Hey, tu peux que, hein, ça. Ça doit être agréable quand je pèse comme ça ici. Très agréable. Ok. Ok, couche-toi, on va checker le coup. Je me couche sur le ventre, hein? Dos. Ah. Ah. Ça me rappelle, faudrait que j'aille voir mon gynécologue aussi. C'est vrai, tu serais dû. La tête, ça va? Fait que t'as tes sortes qui veut pas s'incliner à droite. Mets les mains sur ses épaules. Hein? Croise les mains sur ses épaules. Comme ça? Ouais, on va juste checker si la rotation sera là. On a laissé Kev faire sa magie sur Jay. Fils, détends-toi. Laisse aller. Papa, tu es si fort. Oui. Ok, là, c'est weird, là, non? Aïe. Pauvre Jay. Ah non, il va s'en sortir, là. Ouais, il va pas mourir, c'est bon. Non, non. Le gros de la problématique est passé. Là, ce qui reste, c'est vraiment la contraction musculaire qui avait principalement un blocage. Que ça, je peux faire une partie d'aujourd'hui, mais le reste, ça va partir des prochains jours sans aucun problème. Puis il y a aussi l'inflammation de moi qui travaille en faisant un petit peu mal à Jay. Que ça, ben là, ça aussi, là, ça va passer un coup qu'il va dormir, puis peut-être un petit peu de l'as derrière. On est le lendemain. Quelle surprise! Je suis capable de faire quelque chose vraiment génial. Hein? Hein? Ok, de côté, c'est encore un petit peu difficile. Mais c'est un magnifique début grâce à mon cher ami qui me répare ça solide. Donc sur ça, soyez beaux, soyez coquins, je vous aime. Si vous avez des questions, écrivez-moi ça en bas. Et sinon, bien, passez une fantastique journée.